Donc, prier pour Jean de Dieu Momo. Lorsque Jean de cité, quand il cite les noms, c'est parce qu'il sait que c'est devant nous et c'est imminent. Je l'ai vu blessé au pied et dénudé. Je l'ai vu blessé au pied et dénudé. La question c'est, cette blessure-ci, et pourquoi être dénudé? Pourquoi il est dénudé? Qu'est-ce qu'il a fait pour que cette blessure arrive au niveau du pied? Vous comprenez cela? Vous me suivez, frère? Donc, on va prier pour lui. Vous souvenez, il s'est tenu là-bas, il dit, puisse dire que les nouveaux équipés dans le bateau sont de travailler dans un bateau coulant. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Quand on dit, oh, on a... mais ils ne voient pas que le bateau est de couler, le bateau est de couler. Ils ont besoin de secours. Ah, maintenant, si le bateau est de couler, que vous devez sortir la main. Pourquoi vous sortez du bateau? Comment vous pouvez être dans ce bateau? Vous en êtes de vous vanter de ceux qui sont à l'extérieur. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Et puis, subitement, si le bateau est de couler, vous tendez la main vers qui? Vous voyez cela? Donc, on va prier. La direction que je suis demandé qu'on prie pour lui, c'est que après ce qu'il y a devant nous, qu'il n'y ait pas de règlement de compte. Vous m'avez suivi? Qu'il n'y ait pas de règlement de compte. C'est-à-dire que Dieu donne l'esprit de pardon pour que les gens puissent s'asseoir. Ok, tu as dit cela, on met ça à la porte de telle ou telle chose, on avance. Sinon,